peut-être que la nicotine bloquerait certains récepteurs de certaines molécules qui engendrent cette réponse inflammatoire massive, disproportionnée, qui pousse les patients vers la réanimation et parfois vers la mort. On peut imaginer que la nicotine, notamment, peut être un élément intéressant dans la prise en charge des maladies. Attention, quelqu'un qui n'est pas fumeur, qui met un patch de nicotine, il va le sentir passer tout de suite. Hein, les vomissements, les étourdissements, les malaises, certainement pas un traitement, certainement pas d'automédication, certainement pas une voie d'entrée dans la consommation de nicotine. Attention, c'est un produit addictif. Il ne faut absolument pas oublier les effets néfastes de la nicotine. Il ne s'agit ici que d'une hypothèse scientifique. Nous déconseillons fortement à la population de reprendre la cigarette. Ceux qui ont été fumeurs et qui sont devenus des anciens fumeurs, évidemment, ne doivent pas reprendre. Quant à ceux qui ne fument pas, ils ne doivent évidemment absolument pas avoir recours à des traitements de substitution de type nicotinique. La recherche doit être encouragée, la recherche doit progresser, mais j'encourage les Françaises et les Français à ne pas confondre pistes de recherche et faits établis.